Alors, Scène de la vie hormonale est un recueil de strips. Des strips, ce sont des petites bandes dessinées en 6 et 8 cases. Et ces strips ont été publiés dans Charlie Hebdo entre fin 2014 et aujourd'hui. Et voilà, donc ce sont des histoires de couples, d'amour, de personnes qui s'aiment, qui se déchirent, qui s'engueulent, qui se posent des questions sur le désir, la libido, l'amour. Ce livre est un grand cri d'amour. Et évidemment, tout ça est humoristique. En fait, ce sont des scénettes assez burlesques, assez crues, enfin, dans le sens où je dis les choses sans m'embarrasser d'une certaine pudeur. Et tout ça est décalé, humoristique. Mais en fait, ma source d'inspiration, ce sont c'est moi-même ou les gens autour de moi, mes amis, ce que j'observe. Et ça parle de toutes les questions que je me pose. Moi, en tant que trentenaire, je pense que je ne suis pas la seule à me poser des questions sur la maternité, le couple, le désir, la vie à deux, la vie seule, en famille, pas en famille, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser, qui nous accompagnent, je crois, toute la vie quand même. Et plutôt que de laisser ces questions en suspens ou plutôt que ça reste des angoisses, bah, j'ai transformé ça en sketch, en fait, en scène humoristique. Et voilà, et je crée j'invente des personnages qui vont traiter ces questions à ma place, en fait, et je les mets en scène et ça me permet d'apporter, pas toujours des réponses d'ailleurs, mais au moins de me soulager, de soulager un peu le dessin, voilà, permet un soulagement, ouais, à ces questions existentielles.